Je me présente, je suis Denis Favreau, un des pasteurs ici à l'Église Le Portail. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce matin. Simplement vous dire, si vous nous visitez, c'est si une des premières fois que vous nous regardez, l'Église Le Portail, en fait, on se réunit sur quatre sites différents. En ce moment, je me trouve au site de Laval, mais nous avons aussi le site de Saint-Eustache, le site de Terrebonne et également le site d'Abitibi. Euh, plus précisément à Malartic. Donc, si tu es dans la région d'Abitibi, euh, sens-toi bien à l'aise de pouvoir aller visiter euh, notre église. Et très bientôt, nous avons également l'église Le Portail à Montréal-Nord. Donc, on vous invite à prier avec nous pour aussi l'implantation de ce site-là. Notre vision, elle est simple. On veut 10 sites, 10 000 disciples et on veut aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Et aujourd'hui, on débute une nouvelle thématique euh, qui se situe dans la première épître de Pierre. Et euh, Pierre est un des apôtres de Jésus qui, euh, en fait, a écrit une lettre qui est très pastorale, qui est un condensé un peu de la foi chrétienne et euh, elle sert beaucoup encourager euh, les chrétiens. Alors, si tu es un chrétien, j'espère que t'encourager ce matin. Si tu n'es pas un chrétien, alors je t'invite à découvrir. Avec moi euh, les belles vérités de ce texte de euh, 1 Pierre. En fait, si tu as ta Bible, tu peux aller dans euh, la première épître de Pierre vers la fin de la Bible. On va regarder le premier euh, chapitre. Et le titre de la série, c'est Étrangers et voyageurs. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te promener dans ton propre pays ou d'être dans un endroit et te sentir étranger. Et euh, ça m'est arrivé l'été passé lorsqu'on a pris la décision en famille d'aller visiter euh, l'Ouest canadien. Et la décision qu'on a prise, c'est de le faire en voiture. Comme ça, euh, ça nous permettait vraiment de visiter toutes les provinces euh, de notre grand pays. <laughs> Et euh, c'est fascinant comment que tu te sens dé paysé plusieurs fois. Déjà, tu pars du Québec, tu arrives en Ontario, bon, c'est l'anglais, déjà, c'est pas si pire. Euh, on, on passe souvent du français à l'anglais ici, mais là, que ton quotidien devient juste de l'anglais pendant deux, trois semaines, c'est un peu dépaysant, surtout pour un gars comme moi. Euh, après ça, tu vas dans d'autres provinces et là, tu as des paysages à couper le souffle. C'est comme, waouh, c'est vraiment différent. Est-ce que je suis vraiment au Canada? Et à un moment donné, j'arrive dans, dans certaines villes où il y a une concentration. Ethnique, où des fois j'avais l'impression d'être en Inde, d'autres fois en Asie. C'était incroyable comment la, la richesse du pays, tout ce qu'il peut avoir. Je me sentais vraiment un étranger dans mon propre pays. Et euh, même, il, il est arrivé un moment donné où on arrête euh, une station-service, puis euh, je vois que c'est des, 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 des pompes des années 80. Je ne pensais pas que ça existait encore ici au Canada. Et même plus encore, dans une non-station-service, j'ai arrêté. Il y avait un mot c'était écrit euh, vacancy. Donc, il y avait de la place pour pouvoir euh, être hébergé. Ça disait ouvert, mais quand tu regardes. Le mot c'est comme ben voyons donc. On dirait qu'il est en déconstruction. C'est incroyable. Je me sentais vraiment dans un pays en sous-développement. J'ai tout vu dans le pays du Canada des choses que je ne pensais pas. Alors j'étais voyageur, mais je me sentais étranger dans mon propre. Pays. et le chrétien Pierre va dire que le chrétien est un étranger, un voyageur, va le mentionner quelquefois dans son épître parce que nous faisons partie d'une autre patrie, nous faisons partie d'un autre royaume. Lorsque Jésus est arrivé Plusieurs pensaient qu'enfin, il va amener la justice sur terre puis il va nous sortir de, de, de notre pétrin des Romains puis etc. Mais Jésus disait mon royaume n'est pas de ce monde. Alors si tu es un chrétien, tu sais que ton royaume n'est pas de ce monde et on est étrangers voyageurs sur la terre. En fait. Pourquoi on dit ça? C'est que le chrétien a une pensée différente, il a un cœur différent. Le chrétien va avoir des standards différents, il va regarder à la parole de Dieu, il va avoir des valeurs, des principes, des vérités qui sont différentes. Et ultimement, il y a un salut différent. Et c'est le titre pour moi aujourd'hui, un salut différent. Et pourquoi je dis qu'on a un salut différent? Ça veut dire qu'il y a d'autres saluts? Celui qui connaît sa Bible, il sait qu'il y a de salut en, en aucun autre qu'en personne de Jésus. Pourquoi tu dis qu'il y a un salut différent? C'est simple. En fait, dans notre monde, si tu parles avec les gens, on va souvent dire "Ben, Écoute, moi, je suis une bonne personne, alors je mérite d'aller au ciel. Tu sais, il y a des gens vraiment qui sont tout croches, puis c'est des meurtriers, on fait des affaires atroces. Eux autres, je comprends que, Écoute, il va avoir un jugement pour eux quelque part, mais moi, je suis une bonne personne. Je fais des bonnes œuvres. Donc, le salut est dans les œuvres, c'est de gagner quelque chose. La, ce que la société véhicule euh, beaucoup et, et dans les médias et partout autour de nous, toutes les idéologies qui sont présentées aussi, c'est une forme de planche de salut pour euh, bien des gens. Et on va parler beaucoup euh, d'inclusion, on va parler beaucoup de diversité, on, on va parler beaucoup de euh, mon corps, mon choix et, et qui tu es. C'est comme si tu un peu es ta propre planche de salut et tout le monde doit vraiment qui tu es et, et je suis pas contre le fait d'accepter euh, les gens je, je crois que c'est important de, de pouvoir euh, inclure euh, euh, tout le monde parce que tous on est égaux devant Dieu mais l'affaire c'est que il a pas de planche de salut autre que dans une personne qui est la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je parle d'un salut différent euh, aujourd'hui. Euh, J'ai déjà vu une télésérie, puis il y en a de plus en plus des téléséries, que ce soit sur Netflix ou ailleurs, ou des films, où on veut présenter un, un salut pour l'humanité, alors que l'humanité est en train de, 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 de partir à la dérive, que la terre est en train de, de se détruire. Puis euh, euh, là, il y a toutes sortes de téléséries où on amène... Une, en fait, il y a une navette qui est en train de se construire pour mettre une gang d'êtres humains dans, dans cette navette-là, puis qu'un jour, on puisse découvrir la vie ailleurs pour pouvoir sauver, préserver l'humanité. J'aimerais te dire que le seul salut, encore une fois, il est dans une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce qu'on a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu, mais il y a un salut prévu par Dieu dans la personne de Jésus. Et on va regarder ensemble ce que le texte de Pierre veut nous dire. Alors le verset 1 du premier chapitre de la première épître de Pierre dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, et la Bithynie, ça représentait environ la, la Turquie d'aujourd'hui, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. La première chose que Pierre veut nous montrer de ce salut différent, c'est la préscience de Dieu. On parle de la préscience de Dieu. Ça veut dire quoi la préscience de Dieu? En fait, c'est que Dieu de toute éternité, il savait toutes choses. Il avait un plan de sauvetage dès le départ. Il savait que l'être humain qu'il avait créé allait pécher, allait se rebeller contre Dieu. Et Dieu, dans sa préscience, dans toute sa sagesse, il avait prévu un sauveur dans la personne de Jésus-Christ. Et je sais que tu peux te demander si, euh, pourquoi Dieu a créé l'être humain s'il si savait qu'il était pour se rebeller contre Dieu. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu de rébellion contre Dieu, on n'aurait jamais pu découvrir toute l'ampleur et toute la richesse de son amour, de sa bonté, de sa grâce et de son pardon. Alors, Dieu avait déjà tout prévu à la base pour que tu puisses vivre pleinement toutes ces caractéristiques de Dieu. Donc, on parle de la préscience de Dieu et. Il va dire que, à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu, ça veut dire quoi élus, en fait? Ça veut dire que Dieu a choisi des gens. Dieu a choisi des personnes pour se former un peuple, pour qu'on puisse non seulement le suivre, mais qu'on puisse vivre pour l'éternité avec lui et vivre dans sa gloire. Et là, je sais que tu peux dire, ben là, c'est ben juste, ceux qui sont pas choisis, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec lui. Puis, si je te disais... Je te donne une feuille, OK, où tu regardes sur Internet. Le voici, va sur tel site Internet. Puis, il y a 50 visages d'enfants. Et là, je te dis, OK, ils ont tous besoin d'être parrainés. Ils ont tous besoin d'être adoptés. Je te dis, OK, choisis-en un. Probablement, tu vas dire, bien là, euh, c'est parce que euh, je ne suis pas pour en choisir un. C'est parce que je voudrais tous les prendre. Il me semble que ce n'est pas juste pour les autres. Ah, c'est ça, c'est pas juste pour les autres. On a l'impression que Dieu aurait choisi tout le monde alors que nous, on n'est même pas prêts à le faire. Et pourquoi que Dieu a choisi aussi euh, des, 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 ces, ces créatures pour pouvoir euh, finalement euh, mettre leur foi en Jésus et, et l'accepter et marcher avec lui? C'est que toi et moi, on n'aurait jamais choisi Dieu. Jamais, jamais, jamais choisi Dieu. Impossible! On aime trop notre vie, on aime trop euh, 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 nos péchés, on aime trop qui nous sommes. Pourquoi regarder à Dieu? Alors, Dieu s'est choisi un peuple. Mais la bonne nouvelle, si, parce que, en fait, les élus, c'est les chrétiens. Et là, tu dis, OK, mais moi, je ne suis pas un chrétien, ça veut dire que je ne suis pas élu. Ça ne veut pas dire. OK? Puis si tu es un chrétien, tu pries pour quelqu'un, puis tu dis, ah bien, il n'est pas encore chrétien, il n'a pas mis sa foi en Jésus, ça veut dire qu'il n'est pas élu, je vais, je vais arrêter de prier pour lui. Non, 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 on ne fais pas ça. Jésus a dit, il y a plusieurs brebis dans la bergerie, mais il y a encore de la place dans la bergerie. Alors il y a encore de la place pour toi qui m'écoute ce matin si tu n'as pas mis ta foi en Jésus. Il y a de la place. Et même un texte va dire que Dieu use de patience envers tous parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Alors le message est aussi pour toi qui ne connais pas Jésus aujourd'hui. Et si tu as écouté un de mes derniers messages, j'ai parlé... De une de mes tantes qui priait beaucoup pour son fils puis euh, qu'elle disait ben le seigneur travaille sur son témoignage et pas plus tard qu'hier euh, ce jeune homme en question mon cousin a fait une vidéo sur ce que Dieu a fait dans sa vie puis, me mettre à la place de ma tante, elle aurait pu se dire ben OK, c'est cause perdue, Dieu ne l'a pas choisi, je vais arrêter. Mais non, elle, elle a continué à prier puis à persévérer dans la prière. Puis, c'est un encouragement, je veux te faire à toi. Si tu as envie de baisser les bras, continue de prier. Parce que voici son histoire alors qu'il avait grandi dans l'Église, il avait entendu parler de Dieu, il s'était même fait baptiser. Mais pour lui, il raconte que c'était tout était intellectuel. Puis, il est arrivé un moment, 17 ans, il ne voulait plus rien savoir des choses de Dieu. Il a commencé à, à fréquenter, à avoir de mauvaises relations, commencé à boire, à prendre de la drogue, à sortir dans les clubs, tout ça. Puis à un moment donné, il a vu qu'il pouvait faire de l'argent avec ça. Il a commencé à à, à s'investir dans, dans, dans le domaine de la drogue, puis à un moment donné, même, il a arrêté d'en prendre parce qu'il voulait vraiment s'investir sur vendre de la drogue. Puis il y avait même des, des gens autour de lui, puis il pouvait, il y avait comme des employés, si on veut, et il faisait beaucoup d'argent, puis il s'est dit « Écoute, moi, je ne touche pas à la drogue, enfin, je ne me ferai jamais prendre par la police. » Et ce qui était arrivé, c'est qu'il s'est fait prendre par la police. Et le constat, le verdict a été trois ans de prison. Et pendant les moments qu'il était en prison, les moments, c'était sombre de sa vie, euh, il s'est rappelé que ses parents lui parlaient de Dieu. Il s'est mis à crier à Dieu. Et sur le coup, il n'y il avait rien qui se passait, tout ça, mais il est arrivé un moment où il a senti l'amour de Dieu, la grâce de Dieu l'environner. Et, 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 et tranquillement dans son cœur, il s'est mis à se repentir. Il savait qu'il était dans des mauvaises voies. Il savait qu'il était rebelle à Dieu. Il s'est repenti et Dieu a amené une transformation marquée dans son cœur. Alors, il est possible pour toi aujourd'hui, alors que tu penses que OK Dieu a choisi ça veut dire qu'il m'a pas choisi si je suis pas chrétien. Non. Si tu entends la voix de Dieu Hébreu va dire si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mets ta foi en Jésus, c'est le plan de sauvetage qu'il avait pour ta vie pour te sauver. Pour t'éviter euh, la mort éternelle parce que la Bible va dire que euh, nos péchés nous ont séparés de Dieu et à cause de ça nous avons une mort spirituelle une mort éternelle. Maintenant, il parle, les, les élus sont la préscience de Dieu et il y a deux termes qui va, qui va dire pour qui comprend les élus, c'est les étrangers. Hein, on l'a vu ensemble au début, les étrangers, pourquoi les étrangers? Parce que le, depuis le début de ce livre, tu le vois avec Abraham. Il met sa foi en Dieu, mais il était vu comme un étranger, un voyageur sur la terre. Ensuite, as le peuple de Dieu qui s'est formé à travers le temps, qui est en Égypte, qui est esclave en Égypte, mais Dieu leur fait une promesse. Tu vas avoir la terre promise. Et à un moment donné, ils arrivent en terre promise. Et alors qu'ils doivent être exilés, même à un moment donné, parce qu'ils étaient rebelles à Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, dit, attendez, à un moment donné, je vais vous faire sortir de ce pays et je vais vous amener le Messie qui va véritablement vous... Vous délivrer. Alors, mes amis chrétiens, en ce moment, nous sommes des étrangers parce que nous réalisons que notre patrie n'est pas de ce monde. Il va dire aussi que nous sommes les dispersés. Je ne sais pas ce que tu penses. Des fois, on, on dit que, OK, le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël, et, et on le fait même de manière géographique maintenant. C'est-à-dire, OK, le peuple d'Israël, j'aimerais te dire que les dispersés, ce sont tous les chrétiens qui ont mis leur foi en Jésus et qui proclament la bonne nouvelle de Jésus, où qu'ils soit en ce moment. Et ça, c'est la grande richesse du royaume de Dieu. Ce n'est pas juste qu'un jour, on va se réunir ensemble, mais déjà sur cette terre, il y a une dispersion afin que l'Évangile soit proclamé, que la bonne nouvelle soit annoncée. Et maintenant, comment on peut reconnaître? C'est chrétien. Comment on peut reconnaître que nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre? Ça se fait par la sanctification de l'Esprit. Tu ne peux pas t'inventer chrétien. Tu ne peux pas, je dis, ben moi je crois en Dieu ou je vais à l'église de temps en temps. Tu ne peux pas t'inventer chrétien. Ça se fait par la sanctification de l'Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui travaille à l'intérieur de toi. Ça n'a rien à voir avec toi, avec tes capacités ou avec tes œuvres à toi. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et la raison pourquoi c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est parce qu'il veut t'amener à marcher dans l'obéissance à Dieu. Il veut t'amener à participer à l'aspersion de Jésus-Christ, que va nous dire le texte. Ça veut dire quoi, l'aspersion du sang de Jésus? En fait, pour tourner dans l'Ancien Testament, dans Exode, lorsque Moïse, justement, il y avait eu des sacrifices d'animaux qui permettaient le, le, le pardon des péchés, la purification, tout ça. Puis, le sang était mis dans une bassine et Moïse avait pris euh, de l'isop, l'avait trempé, puis il a aspergé le peuple pour qu'il reçoive le pardon de Dieu. Et j'aime l'imager avec mon chat. Okay? Je ne veux pas dire qu'on est des chats. Okay? Mais mon chat, quand il fait quelque chose que je ne veux pas, ce que je fais, je prends un vaporisateur d'eau. Je fais juste un petit pchit Et là, tout à coup, il va partir. Mais ça me fait vraiment penser à nous, alors que nous étions rebelles à Dieu, qu'on a fait des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Le sang de Jésus nous a aspergés, il nous a lavés, il nous a purifiés de tout péché. Et on est maintenant participants à son œuvre. Et ce que Pierre va dire à la fin de ce petit texte, Grâce et paix vous soient multipliées. Voici son cœur pastoral pour vous. Grâce et paix. Tu as reçu la grâce de Dieu. Réalise toute cette grâce, cette faveur imméritée qui est sur ta vie. Il y a de la grâce à donner en bonne quantité. Reçois cette grâce. La paix de Dieu, qu'elle vous soit multipliée. Pas la paix comme le monde la donne, mais comme Jésus la donne. On continue, verset 3. Il va dire béni soit Dieu le père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souiller ni flétrir lequel vous est réservé dans les cieux. Le deuxième aspect de ce salut différent c'est oui à la préscience de Dieu mais a la miséricorde de Dieu ça veut dire quoi la miséricorde? En fait, c'est que nous étions dans notre misère et Dieu a tendu une corde. Ça, c'est la miséricorde. Hein? Dieu a une main tendue vers toi. Et, et la raison est simple, c'est que nous, on ne peut pas aller à Dieu. Donc, Dieu, dans sa compassion, dans sa miséricorde, a tendu la main vers nous. Et moi, ça me rassure parce que plein de fois dans ma vie, hein, je pourrais tendre la main à quelqu'un. Imagine-toi un instant, là, que ça veut dire quoi, tendre la main à quelqu'un? Des fois, tu as l'occasion de tendre la main à quelqu'un, et tu ne le fais pas. Et moi, le premier, hein, tu es sur, sur l'autoroute, et là, tu vois une voiture sur le côté, sur l'accotement, et tu t'aperçois qu'il y a une crevaison sur un pneu. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes, et puis, ah oh, non, c'est dommage de valeur pour cette personne-là. Et tu passes, tu continues, tu continues ton chemin. Tu n'as pas tendu la main à la personne. Mais Dieu, il nous a vus dans notre misère, dans notre péché, et il a tendu la main. C'est la miséricorde de Dieu, et Dieu fait miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la régénération. Il dit, il nous a régénérés, c'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle naissance spirituelle qui a pris place dans nos vies. On fait souvent la. la on, on peut se. Comparer souvent les, les, les saisons de nos vies aux quatre saisons à, à l'extérieur. Hein? Lorsqu'on est dans la vingtaine, souvent on va dire bien, Je suis au printemps de ma vie. Hein? On a la vie devant nous encore, puis ça bourgeonne, puis il y a plein de projets, il y a plein d'affaires. Et à un moment donné, hey, là, je suis à l'été de ma vie. Hein? Puis vient un temps, oups, tu commences à avoir des bobos et tout, puis là, je pense que je suis rendu à l'automne de ma vie. Puis quand c'est l'hiver de ta vie, habituellement, ce n'est pas très glorieux, ce n'est pas très florissant, puis tu sais que tu t'en vas tranquillement. À l'hiver de ta vie, un jour tu meurs. Mais la bonne nouvelle, lorsque l'œuvre de l'Esprit en toi qui t'amène une nouvelle naissance, c'est qu'alors que tu étais à l'hiver de ta vie, il amène le printemps. Ça, ça revient, hein? on est content en ce moment, c'est le printemps partout. Et avec Dieu, tu as l'éternel printemps en toi. Il a ranimé ce qui était mort en toi. Il nous a régénérés. Et Corinthiens va dire que... Toutes choses anciennes maintenant sont passées, tout devient nouveau. C'est la régénération et ça, ça fait partie de la miséricorde de Dieu. Et pourquoi on est régénéré? Pour une espérance vivante. Pas n'importe quelle espérance. Je ne sais pas c'est quoi ton espérance en ce moment, mais une espérance vivante. Parce qu'on on focalise sur plein d'espérances, plein de désirs, plein de rêves que finalement ils vont finir à un moment donné. Hein? Puis, je me rappelle à un moment donné que je voulais me raser la tête. Et là, j'avais mon rasoir, je branche mon rasoir et là, je me dis, hey, il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. C'était mon espoir de pouvoir me raser puis enfin être propre et tout ça. Puis, ça ne fonctionne pas jusqu'à temps que je réalise que j'étais dans la salle de bain. Je devais peser sur le bouton réinitialiser pour que ça puisse fonctionner. Maintenant, tu as besoin de te connecter à la personne de Jésus parce que par sa résurrection, il a réinitialisé ta vie. Par la résurrection, il a ramené à la vie ce qui était mort et ton espérance. C'est pas quelque chose de c'est une espérance qui est vivante parce que Jésus vit, tu vis aussi avec lui. Et cette miséricorde. Ça dit, de, cette espérance vivante, c'est que nous allons avoir un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni se flétrir. Si on est honnête deux secondes, est-ce que, je suis pas mal sûr que ça nous est arrivé de, à différentes proportions, mais lorsqu'on parle d'héritage, Hein, tu as peut-être un, un oncle riche ou un, un, un père ou des parents qui ont de l'argent, puis là tu vois qu'ils sont sur le bord de partir, puis tu dis Hey, je vais peut-être hériter de beaucoup d'argent. Hein? Ça, on est honnête. Là, hein? Des fois, là, on pense à nous, puis à un héritage, puis ou euh, tu penses à tes vieux jours, tu as investi beaucoup dans tes salis, puis avoir de l'argent. Pis... Mais sache que c'est un héritage qui est éphémère, c'est un héritage qui va mourir avec toi. Il n'y a rien qui va te rester lorsque tu vas partir. Tout ça est éphémère. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un héritage en Christ. Dieu est riche en grâce. Dieu est riche en gloire. Et Jésus, lorsqu'il est remonté vers le Père, sa résurrection, il a, il, il, a, il a pris toute cette gloire de Dieu. Toutes les richesses de Dieu sont en lui. Et la Bible dit que maintenant, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. Ce n'est pas n'importe quel héritage. C'est un héritage qui est solide. C'est un héritage qui demeure pour toujours. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu. Il y a un héritage qui t'est réservé dans les cieux, que le texte va nous dire. Réservé dans les cieux. Waouh! Ça veut dire qu'alors que tu n'es pas là encore, ça t'attend. Hein? C'est toujours le fun quand tu vas dans un lieu public. Puis là, tu dis, hey, ma, il va y avoir du monde ce soir, puis ça va être plein. Puis, Mais on dit, écoute tu as deux places réservées pour toi et ta femme. Hein, C'est le fun, hein? tu arrives, là, tout le monde est stressé, et ils font la file, puis tout arrive, tout, 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 tou, tou, j'ai mes billets, puis il y a des places réservées pour moi. Hein? On peut se penser fin, on peut même être orgueilleux et fier de ça. La Bible dit qu'il y a une place pour toi lorsque ta foi est en Christ, tu es un co-héritier avec Christ et ta place, elle est réservée dans les cieux. Quelle bonne nouvelle. On continue. Verset 5. Et à vous, et encore une fois, il parle aux chrétiens. Puis je réitère, si tu n'es pas un chrétien, je te, je te démontre toutes les belles richesses qu'il y a dans la parole de Dieu et qui sont accessibles par la foi. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le troisième élément, pourquoi c'est un salut différent, c'est à cause de la puissance de Dieu. Ce n'est pas à cause de nous, encore une fois, sans lui on ne peut rien faire. C'est à cause de la puissance de Dieu. Si tu m'écoutes et tu as vécu au Québec, notamment dans la région de Montréal, il y a deux semaines, tu sais qu'il y a manqué d'électricité dans beaucoup d'endroits au Québec. Hein? Tu pouvais essayer de tout faire pour ranimer l'électricité. C'était impossible. Tu devais aller chercher une génératrice qui est assez puissante pour rallumer tout ça dans la maison. Maintenant, dans ta vie, par toi-même, tu ne peux rien faire. Tu es mort dans tes péchés. Okay? Je sais que tu peux te lever le matin, tu peux aller travailler. Okay? Oui, je te le donne, tu peux faire ça. Mais pour ton salut, tu ne peux rien faire. Tu as besoin d'une puissance extérieure alors que tout est mort en toi. Tu as besoin que Christ te ressuscite. Et ça, c'est fait seulement par la puissance de Dieu. Et maintenant, il peut ranimer ce qui est mort dans ta vie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et il va dire Nous sommes gardés par la foi pour le salut. Garder Dieu a cette capacité de nous garder, de nous préserver, de nous protéger. J'ai déjà été à Cuba il y a quelques années dans la chambre d'hôtel. Il y avait un petit coffre-fort hein, pour euh, mon passeport, mon argent, tout ça juste pour tout garder, tout bien protéger. Et je sais que je peux avoir confiance dans ce coffre-fort que personne ne pourra l'ouvrir. Maintenant, je veux t'encourager, fais confiance à Dieu. Ce qu'il a accompli, euh, il a dit qu'il était pour te garder et toi, tout ce que tu as à faire, ça te dit garder par la foi, as simplement à mettre ta foi en lui, ta confiance en lui. Que s'il a ressuscité Christ d'entre les morts, ça veut dire qu'il peut faire bien les choses dans ta vie. Il est déjà avec puissance, il transforme ta vie. Notre salut est sécurisé en lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il va dire, c'est là votre joie. C'est là notre joie. On est gardé par la foi en Jésus. Wow! C'est notre joie. On devrait être content tous les jours de se réjouir de ça, mais regardez ce que le texte va dire ensuite. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Ah! Oh, là, je suis déçu. Je ne pensais pas que tu allais me dire ça ce matin, pasteur. Hein? Je ne sais pas pour toi, mais je sais que parfois, il y a des chrétiens qui sont à Jésus quand tout va bien, puis quand tout va mal, ils s'enlèvent de Jésus. Mais ils n'ont rien compris du salut. Absolument rien. L'épreuve, elle est nécessaire. L'épreuve, elle est formatrice. Que ce soit une souffrance physique que tu as, des conflits dans les relations, tes enfants qui vont pas bien, il y a, il y a toutes sortes d'épreuves qu'on peut vivre et c'est important parce que Jacques aussi va en parler dans son livre de considérer euh, euh, comme une joie complète les différences, les, 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 les diverses épreuves qui vous sont proposées sur le, le chemin sur lequel vous marchez. Hein, c'est dans l'épreuve qu'on grandit, c'est dans l'épreuve qu'on devient de plus en plus fort. Et lorsque le chrétien est éprouvé, lorsque le chrétien souffre, hein, ce parce, n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne souffres pas, tu, souffres, tu peux souffrir autant que celui qui, qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas en Dieu. Sauf que tu sais que tu es soutenu par la grâce de Dieu. Tu es soutenu par la puissance de Dieu. Et l'épreuve, elle est importante. Jésus a souffert pour toi. Jésus a été éprouvé de plein de manières. Alors, pour toi, ça peut être un sujet de joie parce que ce que tu as passé, Jésus a passé à travers ça. Et si Dieu l'a soutenu par sa puissance et que Dieu va te soutenir par sa puissance. Et le texte va parler que l'épreuve de notre foi, elle est plus précieuse que l'or périssable. Wow! Si je te demande, qu'est-ce qui est plus précieux pour toi? Peut-être dire, ah, mes enfants, c'est précieux. Peut-être certains, tu vas dire, hey, mon, mon compte de banque, c'est précieux. Hein? Il parle de l'or. Ce n'est pas un hasard qui parle de l'or. Hein? Vous avez tous vu des, 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 des films sur on, la ruée vers l'or. On veut de l'or, on veut de l'or parce que ça rapporte, c'est de l'argent puis il y a quelque chose de concret. Mais c'est de l'or périssable. Ça s'en va, ça va s'éteindre. Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Et Pierre prend le temps de dire que... L'épreuve de ta foi, c'est encore plus précieux que de l'or périssable. Et il y a une image. Le, le texte va dire que l'or est éprouvé par le feu. On pourrait penser que, ah si ben, tu mets quelque chose dans le feu, on s'entend que ça fond, puis ça disparaît ensuite. Mais l'or ne disparaît pas. L'or, lorsqu'il est mis dans le feu, c'est qu'il va être. Purifié. Donc, toutes les impuretés vont s'enlever de l'or, toutes les saletés vont s'enlever de l'or. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience-là de prendre un sou noir très sale. Un sou noir très sale et tu le mets dans un verre de Coke ou Pepsi, ça fait la même affaire. Okay? Et après quelques temps, tu ressors le sou noir. Il n'est plus noir, il est clair, il a été purifié, et c'est exactement ce que ça fait alors que les épreuves de la vie des fois veulent noircir ton cœur, veulent veut assombrir tes pensées. Réalise que Jésus est en train de faire une œuvre de purification dans ta vie, et il va dire pour que cela ait comme résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus va apparaître. Lorsque tu vas voir ce Jésus revenir et tu vas le voir, celui qui a souffert, celui qui a été flagellé pour toi, qui a pris tous les coups, qui a souffert à l'extrême, tu vas être plein de reconnaissance, ta joie va être extrême parce que tu vas voir enfin ton sauveur. Un sujet de louange, de gloire, d'honneur. Il va dire, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On aime tous avoir un prix. Hein, on a gagné un concours, on a une petite médaille, puis souvent on l'oublie après. Mais comme prix de notre foi, on obtient le salut de nos âmes, la délivrance complète. Plus de pleurs, plus de maladies, plus de souffrances, et on se réjouit pour l'éternité avec le roi des rois. Alléluia, Alléluia. J'arrive vers la fin, on va au verset 10 ensemble. 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard le quatrième aspect de ce salut différent hein, on a vu que c'est la préscience de Dieu que dès le départ Dieu avait un plan de sauvetage pour l'humanité l'exercé par sa miséricorde et sa puissance pour arriver avec la grâce de Dieu. Tout ça est par pure grâce de la part de Dieu. Et on dit que les prophètes ont prophétisé, c'est-à-dire qu'ils avaient annoncé d'avance. Tu penses aujourd'hui que ce que je t'annonce, peut-être c'est nouveau pour toi, mais ça fait des, des siècles et des millénaires qu'on annonce la venue de ce Sauveur. Et, et, et lorsqu'on parle de prophète, David avait dit, avait cette certitude, avait cette assurance que lorsqu'elle allait mourir, son corps n'allait pas rester dans ces jours des morts, parce que il savait que les prophéties disaient qu'il il allait avoir un descendant sur son trône et que ce descendant-là serait éternel. Et on parlait de Jésus qu'on dit qu'il est le fils de David, donc c'était le messie, celui qui était promis pour être le roi des rois. Donc David avait cette espérance-là. D'autres prophètes ont dit que Jésus Jésus est ce serviteur souffrant, celui qui va porter la croix, qui va porter nos péchés sur lui. Donc, il va souffrir pour l'humanité, il va souffrir pour ton salut. Donc, ça a été prophétisé. Et d'autres ont dit aussi qu'ils ont prophétisé qu'on aurait la foi en son nom à lui, pas dans le nom de n'importe quel autre leader religieux, mais dans le nom de Jésus-Christ. Ça a été prophétisé. Et ce qu'ils ont prophétisé, c'était une grâce qui nous était réservée. Parce que ni toi ni moi on méritait cette grâce-là. Toi et moi on méritait la mort éternelle. On mérite l'enfer éternel. Parce que le salaire du péché c'est la mort. La Bible est claire là-dessus. Mais ils ont prêché une grâce qui nous est réservée, un cadeau qui est non mérité. Et, et je veux que tu comprennes un peu la grâce de Dieu. Comment que euh, elle coule, affleure la grâce de Dieu. Si tu as un garde-manger, j'imagine, Dieu, comme s'il y avait un garde-manger ou c'est un garde-manger de grâce, OK? Et là, il manque quelque chose, ah, oh, parfait, voici, il prend euh, une canne de conserve et le donne à quelqu'un d'autre. Lui, il manque quelque chose, il va dans, dans son garde-manger et donne euh, des, des bénédictions à gauche et à droite. Dieu ne manquera jamais de grâce à ton égard. Tu te sens peut-être mal, tu te sens peut-être coupable, tu as encore péché, puis tu te dis Ah oh, ben, Dieu ne m'acceptera pas Puis tu te sens coupable, et etc. Mais réalise, reviens toujours à Dieu. Marche dans la repentance parce que la grâce de Dieu, elle est là pour toi. Elle était là hier, elle est là aujourd'hui, elle sera là pour toi demain. Ne néglige pas cette grâce, ne méprise pas cette grâce de Dieu qui est là pour toi. C'est une réserve qui est sans fond. Et ce que le texte va dire, c'est qu'ils ont annoncé cette grâce, cette bonne nouvelle. Puis ce n'était même pas pour eux-mêmes qu'ils l'ont annoncé, parce qu'ils savaient que c'était dans des jours futurs. Ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils l'ont annoncé, mais pour vous, que le texte dit. Pour nous. Et pour eux qui étaient dispensateurs de cette grâce. Ils avaient reçu cette grâce de Dieu de faire partie du peuple de Dieu. Et maintenant, il faut annoncer cette grâce. Il faut parler de la bonne nouvelle de Jésus. Il faut leur dire qu'il y a un sauveur qui est là, puis que ce n'est pas fini ta vie. Que oui, peut-être que toi, tu penses que c'est fini en ce moment, puis que tu es perdu, mais sache qu'il y a un sauveur qui est venu porter tes péchés à la croix. Donc, mets ta foi en lui. Il y avait de la grâce, de la grâce. Ils ont été ces dispensateurs de sa grâce. C'est un peu le principe de donner au suivant. J'ai tellement reçu que je veux donner à mon tour. Alors que j'ai reçu une grâce, que moi j'ai reçu cette grâce, je te communique cette grâce de Jésus aujourd'hui. Et regardez comment le texte finit. Ils ont été dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile et dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Je me suis demandé au début pourquoi c'est dans le texte ça? Pourquoi on parle d'anges tout à coup? Et les anges, il faut réaliser qu'ils sont continuellement dans la présence de Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu et le texte dit, ils désirent plonger leur regard. Dans tout ce que Dieu est, de plonger les regards dans cette grâce qui est là, que nous, on reçoit. Puis on s'entend, les anges n'ont pas une grâce particulière, ils ont toujours été là. Ils ne peuvent pas vivre, c'est quoi, être inondés de la grâce. Nous, on peut le vivre parce qu'on on la mérite pas, puis le Seigneur nous donne cette belle grâce-là d'amour, de bonté et de pardon. C'est comme, waouh, on peut le vivre, mais les anges, ils ne peuvent pas le vivre. Mais ils sont toujours dans la présence de Dieu et. Ils plongent les regards. Ils voient tout ce, que, tout ce qui est fait, puis et, et, ils aspirent, ils anticipent à ça et ils vont regarder la parole de Dieu. Ils sont comme Wow, j'en veux plus, j'en veux plus. Ils plongent les regards dans la loi de Dieu. Et lorsque je regarde à la parole, la majorité des chrétiens, j'imagine du moins que chaque chrétien a au moins une Bible à la maison. Mais si je regarde dans ma maison, j'en ai peut-être 8, 10, 12 Bibles. On a plein de Bibles. Ah, des fois, on, est, on, on, on va collecter, on, on va accumuler des Bibles pour dire, ah, OK, ah, bien, cette Bible-là, elle est souple, l'autre, elle est dure. Puis, on a un plus gros caractère, un plus petit caractère. Puis on est tous contents d'avoir plein de Bibles. Pourtant, les anges, eux, ils voulaient plonger leur regard dans les Écritures, plonger leur regard dans la grâce de Dieu. Et je veux t'encourager. Toi qui vis toutes sortes de choses aujourd'hui, je veux t'encourager à plonger tes regards dans toutes ces belles caractéristiques de Dieu. Réalise qu'il t'a fait miséricorde. Et ça, c'est par la puissance de Dieu, ce n'est pas par tes propres forces à toi, mais il y a une grâce qui est disponible pour toi. En quoi plonges-tu tes regards ce matin? Ou en qui plonges-tu tes regards? J'aimerais prier avec toi en conclusion. Parce qu'il faut réaliser que nous sommes tous voyageurs. On est tous dans un train. Et le thème de la série, c'est Étrangers et voyageurs. Et on peut tous être dans le même train. On peut tous être étrangers les uns les autres. Mais on est tous voyageurs. Ultimement, on a une destination finale. Et j'imagine que nous sommes dans ce train et on voit à la fin destination finale. Mais lorsqu'on arrive au bout, il y a deux portes. Il y a la porte des étrangers de Dieu. Et cette porte des étrangers de Dieu, ceux qui ont refusé son salut, c'est ceux qui vont à une perdition éternelle. Puis il y a l'autre porte, qui sont les étrangers du monde. Comme je parlais tout à l'heure, on est voyageurs parce qu'on on, on va aller dans une autre patrie, un autre royaume. Nous sommes étrangers du monde. Mais le fait de rentrer vers cette porte nous apporte une joie extraordinaire et ineffable et glorieuse, comme le texte parlait, parce qu'on rejoint notre Seigneur et notre Sauveur. Je ne sais pas dans quel camp tu te retrouves pendant que tu m'écoutes, mais j'aimerais prier avec toi en terminant. Seigneur, mon Dieu, je veux prier pour ses auditeurs celui ou celle qui m'écoute en ce moment. Seigneur, soit que nous sommes étrangers de Dieu, ou que nous sommes étrangers à ce monde, parce que justement nous avons un salut différent. Et je prie, Seigneur, que tu puisses apporter conviction dans le cœur, que tu puisses apporter renouvellement, nouvelle naissance dans leur vie, une naissance spirituelle. Qui n'est pas produit par eux, par leurs efforts, mais qui est produit par ta puissance seule. L'œuvre de l'Esprit qui conduit dans la vérité, qui conduit vers Jésus. Je prie pour ces gens en ce moment. Amen, conviction, au Seigneur, qu'ils puissent réaliser qu'il y a un salut de disponible pour eux, Seigneur. Je t'ai prié pour eux dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour les étrangers de ce monde, donc les chrétiens, ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont élus, Seigneur, je te prie, que nous puissions garder cette joie du salut, se rappeler les richesses de ta grâce que nous avons en la personne de Jésus-Christ, lui qui a tout accompli pour nous, lui qui a payé de sa vie pour nous racheter. Seigneur, que nous puissions garder notre foi. Seigneur, que nous puissions marcher dans la persévérance en toi. Merci de dire que tu nous gardes. Merci de dire que nous avons un héritage en toi. Maintenant, aide-nous à marcher avec toi dans la foi au quotidien, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.